Dérivée d'une somme de fonctions. Somme aux différences. Hein. Je peux mettre des plus ou moins. Bon, Alors ici, quand je mets la barre, c'est et ou. Alors ici, bien sûr, je peux. La règle, elle est valable pour une multitude de fonctions. Une multitude de fonctions. Je vais en prendre 4. Je vais en prendre 4. Alors, je vais prendre une fonction. U de x plus v de x moins, je vais mettre un moins, hein, pourquoi pas, je pourrais mettre des plus ou moins comme ça, bon, ouais, je peux mettre des plus ou moins, voilà, plus w de x, plus ou moins, vw, z de, voilà, j'ai mis quatre fonctions, et tout ça, c'est égal à une fonction, une et une seule fonction, qui est y égale, f de x. Elle correspond à une et une seule fonction. Parce que la somme, au bout du compte, quand vous faites la somme, là, vous les allez la composer, ça va donner qu'une seule fonction. Par exemple, je prends un exemple. Ben, si je prends 3x carré, ben ça c'est une fonction. Voilà. Si je prends 7x, c'est une seconde fonction. Et si je prends 2, c'est une troisième fonction. Voilà. Et maintenant, si je compose les trois, je vais avoir f plus g plus le a. Voilà. Et donc, ces trois fonctions. Vous en donne plus qu'une seule, qui est celle-ci. Donc, vous voyez bien que il a bien fait. Bon, ici, je n'aime pas parce qu'il a mis un a. Il a bien fait f plus g plus. Je vais effacer ça. FGH, H de X égale 2. Voilà. Alors si je fais F plus G moins H, on va mettre un moins, pourquoi pas. Ben, j'ai cette fonction-là. Donc j'ai la fonction P. P de X. Donc la somme ou la différence et ou la différence de fonction vous donne une fonction. Et donc vous aurez compris que pour calculer la dérivée, de P, ben je vais dériver la dé je calcule la dérivée de f, de f prime, séparément. Voilà, je calcule la dérivée de f prime, puis la dérivée de g, séparément, et puis la dérivée de h, séparément. Et donc, bien sûr, faire la somme. Vous allez avoir 6x plus 7 plus 0, qui est la somme de f prime plus g prime plus h prime. 6x plus 7 plus 0. Voilà. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est la dérivée de P prime. Directement P prime. 6x plus 7. Alors pourquoi? Alors justement, c'est ce que je vais démontrer maintenant, de manière généralisée, au travers de quatre fonctions. UV, W, Z, où j'ai pris soit des plus ou des moins. Ben, ça n'importe pas. Si vous voyez un plus, vous mettez un plus. Si vous voyez un moins, vous mettez un moins. Bon, ben, ici, j'ai mis plus ou moins. Ça peut être des plus, aussi bien des plus que des moins. Alors, comment faire ça? Ben, il suffit d'établir un accroissement en x. Alors, si vous faites un accroissement en x de y, ben, lui, il va subir un accroissement delta y. Puisque vous faites subir un accroissement en x, le y va subir un accroissement en y. Alors, il en sera de même pour la fonction u qui va subir un accroissement delta u. Le v va subir un accroissement v plus delta v. Et le w va subir un accroissement w plus delta w. Et le z, un accroissement z plus delta z.
Donc si je retranche, je vais retrancher le y. Donc si vous retranchez le y, il faut retrancher ici le u. Voilà. Là, vous devez retrancher. Additionner ou retrancher, hein, bon ici. Si vous devez faire tomber, s'il est plus, ici je vais mettre moins plus. Hein, comme ça. Voilà, moins plus. Vous comprenez, quand c'est plus ici, ce sera moins. Quand on a moins, ben, ce sera plus. V, voilà. Ici c'est moins plus. W, moins plus Z. Bon, je n'ai mis que quatre fonctions. Hein. Et si vous retranchez ça, ben, il va vous rester que les accroissements. C'est-à-dire delta Y est égal à delta U. Il va rester plus ou moins delta V. Il va rester plus ou moins delta W et plus ou moins delta Z. Alors maintenant, si vous avez plus, ben, ce sera un plus, hein. Si maintenant vous avez un moins, ben, ce sera moins. On va dire ça comme ça. Voilà, donc si j'écris ceci, delta Y. Ben, c'est delta U plus ou moins. Bon, là, j'écris mal. Je vais recommencer ça. Delta U plus ou moins delta V plus ou moins delta W plus ou moins delta Z. Si je fais le rapport par rapport à la variable indépendante, c'est-à-dire delta X, parce que la dérivée, il faut chercher la limite quand. Delta y sur delta x tend vers 0. Alors, pour l'instant, ici, je n'ai qu'un taux d'accroissement moyen. En passant à la limite, si je passe à la limite, j'aurai un taux d'accroissement, on va dire, instantané. Donc, qui est la dérivée. Donc, ici, je suis qu'au taux d'accroissement. Enfin, je divise par rapport à l'accroissement en x de chacune des fonctions. Et maintenant je passe, là c'est comme si on avait un TAM ici, maintenant je passe au TAI. À la limite quand delta x tend vers 0 de delta y sur delta x, et c'est là qu'il faut faire attention, ça limite quand delta x tend vers 0 de toute cette écriture-là. Et comme on a une propriété sur les limites ici, que je vais mettre dans un petit instant, il suffit de reculer ceci. Eh bien, on sait bien que, et c'est de là que viendra la propriété des dérivées. Bah, les dérivés, on sait bien que c'est des notions de limite, hein, qui sont cachées derrière. D'ailleurs, c'est ça que je suis en train de montrer. C'est que je fais des calculs de limite, voilà, pour démontrer les calculs de dérivés. Donc, comme je calcule une dérivée, que ça dépend des limites, eh bien, ça dépendra des propriétés limites. La limite d'une somme, c'est la somme des limites. Donc, la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivés. Donc, j'écrirai ici, ça limite quand delta x tend vers 0 de delta u sur delta x.
Voilà, donc la limite d'une somme, c'est la somme des limites. La limite d'une somme, c'est la somme des limites. Et donc, à partir de là, la dérivée d'une somme, puisque là, j'ai complètement la définition de la dérivée, puisque la dérivée, c'est ça. C'est la limite de delta y sur delta x. Quand delta x tend vers 0, c'est-à-dire c'est dy sur dx, est égal à la limite quand delta u, là, c'est la dérivée par rapport de u de x, plus la dérivée, enfin plus ou moins, la dérivée de v par rapport à delta x, enfin dx, plus ou moins la dérivée par rapport à w, attention qu'ici je l'ai mal écrit, c'est un w. Voilà, et donc, vous voyez que la dérivée d'une somme, donc je vous rappelle qu'au départ, bon maintenant je peux généraliser. Ouais, voilà, je peux généraliser pour plusieurs, je peux faire quelques petits exemples. Si vous avez y est égal à f plus g, au moment de calculer y prime, ça fera f prime plus g prime. Si vous avez y est égal à f plus g plus h, ben, on vous demande y prime, c'est f prime plus g prime plus h prime. Voilà, et c'est ce que j'ai fait au départ. En prenant, j'avais pris f égale, par exemple, je prends 7x carré, g égale 9x et h égale 4. Ben, dérivée de y prime qui est composée de f plus g plus h qui est 7x carré plus 9x plus 4 qui donne un polynôme. Hein. Vous avez compris que ça donne un polynôme. Mais ça demande à dériver f prime plus g prime plus h prime séparément, ce qui fait 14x plus 9 plus 0. Et donc y prime vaudra 14x plus 9. Simplement. Donc dériver une somme ou une différence, c'est assez simple. Il suffit de dériver chacun des termes. Chacun des termes. C'est de dériver chacun des termes séparément. Donc on peut faire un travail de séparation, de dériver. Terme à terme, on travaille terme à terme, on dérive terme par terme. Donc, dériver une somme, ça revient à dériver, c'est du travail de terme à terme. De terme à terme. Et donc, on peut donner une démonstration analogue pour, on va dire, une somme algébrique d'un nombre quelconque de fonctions. Hein. Et on pourrait dire que la dérivée de la somme algébrique d'un nombre fini de fonctions est égale à la somme algébrique de leur dérivée. De leur dérivée. Bon, on pourrait aussi écrire la dérivée, bien sûr, avec un symbole. Certains l'écrivent avec un grand D. Donc, si vous l'écrivez avec un grand D, si vous écrivez par exemple, ça, ceci, c'est la dérivée de f plus ou moins g, ben ça sera la dérivée de f plus ou moins la dérivée de g. Alors grand D, comme j'ai toujours dit, est pris pour comme dérivée, hein, comme symbole de dérivée. Petit D, c'est la différentielle. Je vous remercie.